écoute, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Dans le journal, il y a de l'embauche au village d'à côté. Oui. Tu voulais travailler en dehors de la maison. Oui. Et bien là, ils vont construire une piste d'atterrissage mondiale. Ouh. Et ils cherchent les conducteurs d'engins de terrassement, là. C'est marqué. Pour faire une piste, il faut charger beaucoup de terre. C'est marqué, là. Hein. Je vais aller chercher le vélo pour aller au chantier, hein. Je viens pour m'embaucher et on m'a dit qu'il y avait le bureau dans Bobosche. Est-ce que c'est la même maison qui est là-bas? Ah. Le bureau d'embauche, c'est à gauche et aux arcades. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je peux faire quelque chose pour vous? Je viens pour l'embauche. Ah, pour une embauche. Je mets le panneau dans le bon sens, ça sera mieux comme ça. Ah, d'accord. Ça, c'est le chantier. Oui, voilà, le chantier il est plutôt de ce côté. Ah, d'accord. Là, il faut remuer beaucoup de terre. Là. Salut, alors, ça va? Alors, je vous présente bonjour, Hector. Voilà, Hector. C'est. Georges. C'est lui le maître des travaux. Alors c'est lui qui va vous apprendre à prendre en main un peu ce camion et les autres outils pour faire cette piste ULM. Et on se revoit en fin de journée. Hein. Voilà. Allez. On va monter dans le camion. Tu vas arriver à monter? Allez, on va voir. Allez, tu veux passer de ce côté ou là? Là, on passe par là, au plus court, hein, au plus court chemin. Voilà. Moi non plus. Pour voir les autruches, j'ai pas besoin d'aller dans l'autre. Ils vont faire des choses qui ne sait pas. Hein. Il est trop vieux, Allez Hector, remplis la pelle. C'est laissé, ils t'ont embauché. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille voir le patron. Le patron, oui. Le patron. Le patron. Ah,
À Paris. Un petit pas. À Paris. Ah, Paris. Ah, oui. Ah, avec le dos, avec le dauphin. Il s'appelle le bébé Louga, oui, c'est ça, il s'appelle le Beluga. Il vient de Paris tous les jours. Et le dauphin, il vole. C'est un dauphin qui vole. Il faut que je le prenne pour aller voir le patron à Paris. Bon, mais là, tu vas commencer par te changer. Hein? Parce que tu vas prendre les valises. Hein? Tu vas prendre l'avion. Tu vas passer d'autres essais. Hein? Tu m'entends? Bon. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je ne suis pas un bus. Et moi, je ne sais pas ce que c'est un bus. Quelle est votre destination? Je voudrais aller prendre le dauphin qui vole. Mais monsieur, un dauphin, ça vole pas. Vous voulez aller à la plage? Non, je veux aller à l'arrêt au port. Prendre le béluga, voilà. Le béluga. Eh bien écoutez, si vous voulez, je vous y amène, c'est sur mon chemin. Allez. Oh, mais c'est lourd comme un âne mort. Attendez. Je vais la porter. Vite, madame, le taxi. Oui, monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Hector. Eh bien, appelez-moi Bala. Dites, madame, Bala. Je peux plus supporter cette musique dépravée. Il faut l'arrêter tout de suite. Monsieur Hector, puisque vous ne supportez rien et avant que vous ne tombiez malade, j'ai une bonne solution pour adoucir vos oreilles. Allez, monsieur, sortez. Vous allez vous débrouiller tout seul. C'est de la peine, hein? Ah non, hein? Ah, s'il vous plaît. Oh, puis allez, oh, punaise. Et puis regardez-moi ça, si. Oh, punaise. Oh, que c'est lourd. Bon sang. Oh non, hein? C'est pas possible. Oh, bon sang. Nous, les Pyrénéens, on parle un peu fort. On écoute de la musique, olé olé. On fait du bruit avec nos 150 chevaux sous le capot.
Et c'est sûrement un peu trop pour vos oreilles. Si vous voulez un taxi qui ne fait pas de bruit, oui. J'en connais un, moi. Oui. Vous voyez ces chevaux là-bas? Vous en prenez un pour vous accompagner et l'autre pour porter vos bagages. Et si vous allez assez vite, oui. Avec votre caravane de chevaux, oui. Vous pouvez arriver à l'aéroport, oui. Et prendre votre dauphin qui vole. Arrivé à l'aéroport. Hé, hé, moi, je vais vous les calmer les chevaux à chaleur. Vous allez voir, je vais vous les refroidir. Monsieur le man, vous écoutez des musiques de dépravés et en plus, vous polluez la planète. Avec vos 150 chevaux qui sont en chaleur. Oh, vous, ça va, hein? Avec ce que vous pouvez voir et entendre, c'est pas la peine, hein? Par contre, j'entends un bruit qui va vous intéresser. Regardez tout là-haut. Oui. Celui qui arrive. Oui. Vous pouvez toujours l'attraper au vol si vous sautez assez haut. Moi, je vais chercher un mécano. La tour de contrôle. Message prioritaire au pilote du Beluga. Inutile d'atterrir. Monsieur Hector n'est pas arrivé sur le site. Poursuivez votre route vers Paris. Terminé. Attendez-moi. Fin qui vole. Et deux. Fin qui vole.